Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre rendez-vous hebdomadaire, la sortie du dimanche. Et vous aurez remarqué, en tant qu'auditeur averti, qu'aujourd'hui, nous sommes avec un petit décalage et ce rendez-vous, cette sortie du dimanche, se déroule lundi. Voilà, exceptionnellement, suite à des petits problèmes techniques que nous aurons vite corrigés. Voilà, nous revenons donc sur l'actualité vélo de la semaine écoulée et aborderons celle à venir. Et aujourd'hui, donc, pour nous accompagner, sont réunis Mathieu, Bonsoir tout le monde. Greg Bonsoir tout le monde. et enfin Charles. Salut Max, bonsoir à tous. Et bonsoir à vous, cher commissaire. Voilà, alors, eh bien, encore une fois, l'actualité a été dominée par la course de ce week-end, le Monument Liège-Bastogne-Liège. Je rappelle rapidement les résultats. Nous avons donc en vainqueur Jacob Vulksang devant les deux Bora, David et Formolo et Maximilian Sarman. Cette course, était un peu peut-être attendue d'une manière un peu particulière par la plupart des suiveurs parce que on avait un changement de parcours pour la première fois depuis bien longtemps, pratiquement une vingtaine d'années, il me semble, avec donc la disparition des côtes finales et notamment la montée finale de Anse. Donc on attendait avec une certaine fébrilité voir ce que ça allait donner au niveau du scénario de la course. J'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus d'abord, Charles. Finalement, qu'est-ce que tu en as pensé et dans quelle mesure, pour toi, ça a eu un impact ou pas sur ce déroulé? C'était une course un peu bizarre, ouais. Comme tu l'as dit, on attendait un peu ce nouveau parcours pour voir si on allait encore s'ennuyer sur Liège, pardon. Et je dois dire qu'à la prise d'antenne, je m'attendais à quelque chose d'assez phénoménal, parce que les conditions étaient assez terribles. On voyait que le peloton était déjà assez réduit, que ça avait l'air compliqué. Et au final, on est resté sur notre faim, parce que 20-30 bornes plus tard, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'attaque. Alors les montées sont passées, on a vu la redoute, rien. Enfin. Et on est replongé dans l'ennui, en fait, malheureusement. Et c'est bien dommage parce que ça promettait. Et malheureusement, ce qu'on peut dire, suivant l'expression un peu connue, la montagne est un peu accouchée d'une souris. C'est aussi ton ressenti, Mathieu? Oui, c'est aussi mon ressenti. Alors, on a eu bon espoir quant à 80, enfin 60-80 km de l'arrivée. Ça a commencé un petit peu à péter de partout. Il y a des groupes qui se sont formés, il y a eu des attaques. Avec un groupe, il y a un groupe avec des favoris et des outsiders qui est parti devant, mais finalement tout s'est regroupé. Et oui, après, le final a été assez décevant, mais la sélection s'est faite par l'arrière en fait. C'est-à-dire que le peloton s'est réduit de plus en plus, on a perdu les éléments les plus faibles et seuls les plus forts sont restés devant. Mais tout le monde paraissait vraiment quand même à bloc. Hein. Donc je pense que les coureurs étaient quand même assez fatigués. Oui. Ça termine cette campagne de classique. Est-ce que c'est pas dû à ça aussi, dû à la fatigue accumulée? Mais tout le monde paraissait quand même assez fatigué et je suis pas sûr qu'il y avait grand monde qui était capable de mettre vraiment des attaques dans le peloton ou ce qui restait du peloton enfin à 20-30 km de l'arrivée, quoi. C'est un peu l'impression qu'on peut avoir aussi lorsqu'on regarde le classement, hein, et on constate quand même que les écarts sont assez importants, hein. Il y a plusieurs minutes entre le premier et le 20e, je crois qu'il y a pratiquement déjà plus de 2 minutes. On a le 50e, par exemple, il est déjà à 7 minutes. Donc, c'est que la course, Greg, la course a été dure quand même, à défaut peut-être d'être spectaculaire. Course difficile, notamment, enfin, on l'a dit un petit peu au début, avec des conditions, il faisait très froid. Du vent, il faisait très froid. On a plusieurs témoignages, hein, quand on regarde sur les réseaux sociaux, hein, des coureurs qui se plaignaient du froid. C'est vraiment des conditions un petit peu particulières et qui ont durci la course. Donc, ça, c'est pas négligeable, hein, quand on parle des performances des uns et des autres, tenir compte des coureurs, là, des conditions climatiques qui étaient particulières. Oui, on a eu des abandons, on a eu des gros noms parmi les abandons, quand même. Au-delà du nouveau parcours, oui. Ouais. Et ça, c'est uniquement, je pense, la météo qui a dû jouer, hein. Dan Martin était déjà malade, il n'a pas terminé. Et les Pour plateformes aussi Valverde, pour Valverde notamment, voilà.
Bon, apparemment, il est arrivé blessé déjà sur la course. Il a été piqué par une guêpe, non, sur la flèche wallonne. Alors ça, c'était sur la flèche wallonne, mais ensuite, j'ai lu sur le forum, quelqu'un avait précisé qu'après la course, hein, à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, Kunzue avait précisé que Valverde souffrait alors peut-être du coccyx, je crois, enfin, pas qu'il était encore blessé, en plus. Donc ça doit expliquer aussi sa contre-performance. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le final et puis un mot aussi sur ben voilà, le vainqueur hein, qui a éclaboussé ce final de Liège-Bastogne-Liège de toute sa puissance. Un petit mot là-dessus peut-être, Charles ? Ouais, tu l'as dit, il a éclaboussé la course de toute sa classe, vu que le Sang, c'était le plus fort. Enfin, c'est le plus fort, je pense, avec Alaphilippe depuis quelques semaines déjà. Et en sachant que le Français n'était pas forcément bien sur la course, il s'est fait plaisir, il a su provoquer la décision. Et ses derniers compagnons d'échappée, enfin, même si ce n'était pas vraiment une échappée, Woods et Formolo ont craqué chacun leur tour. Et on a vu que physiquement, vu que le Sang était largement au-dessus, quoi. Et la seule frayeur. Il était craqué dans le faux plat, même pas dans la montée mais la c'est plus souvent dure, là que c'est ça dans se le faux plat passe. suivant. Oui. Quand c'est des différences physiques, c'est souvent sur les faux plats, parce que c'est au moment où il faut remettre la pâtée, enfin, comme on dit, c'est ça. Que ça c'est encore plus impressionnant, je trouve, dans ces moments-là, d'ailleurs. Ouais, t'as complètement raison. Et la seule frayeur, au final, enfin, vous avez vu comme moi les images, c'est cette descente, presque chute, descente où t'as l'impression qu'il va se péter la gueule tous les jours et il se rattrape, on ne sait pas comment. Enfin, c'était assez impressionnant, hein, j'ai trouvé. Oui, sacré réflexe. Là. Bon, on sait qu'il n'est pas malhabile sur un vélo, mais il a eu aussi pas mal d'histoires de chutes par le passé. Est-ce que tu t'attendais honnêtement à le voir à ce niveau Alors, j'ai demandé d'abord à Mathieu. J'ai posé la question en deux temps. Est-ce que tu t'attendais à le voir à ce niveau si je te pose la question il y a une semaine ou si je te pose la question en début de saison? En début de saison, non, sûrement pas. Mais bon, vu tout son parcours cette année, c'est pas surprenant de le voir vaincre à Liège-Bastogne-Liège, puisque bon, à part faire toutes les courses précédentes, mais il je a toujours rapidement, été sur les Ardennaises, il fait 3 à l'Amstel et 3 à la Flèche et 2 à la Flèche wallonne pour finalement voilà prendre la voilà, place pour... sur le. Sur les courses par étapes, il a toujours été là aussi. Donc effectivement, on sait qu'il est en forme depuis le début de saison, quasiment de manière ininterrompue. C'est sûr qu'à 34 ans, ça peut être un petit peu surprenant de le voir. Bon, moi, je le voyais placé quand même hein, sur ces courses-là. Je le voyais faire des top 10. Mais de là à être tout le temps actif et tout le temps sur le podium des trois Ardennaises, c'est sûr que c'est un peu une surprise tout de même. Surtout à son âge, à 34 ans. Donc. Oui, alors est-ce que ça interroge un peu là-dessus, Greg? Je sais que, bon voilà, on a eu quelques interrogations. Astana déjà traîne, pas forcément la meilleure des réputations. En même temps, Fuglsang ne vient pas de rien. C'est un coureur que depuis de nombreuses années, on voit aussi toujours jouer les premières places. Il a fait un petit saut qualitatif, on va dire. Alors. Enfin, c'est un coureur spécialisé surtout dans les courses d'une semaine jusqu'à présent. C'est-à-dire, il était performant, soit il a gagné un Dauphiné en 2017, c'est ça. Sur le Tour de Suisse, deuxième du Tour de Suisse l'année dernière, les Tours d'Andalousie, etc., etc. C'était plutôt, lui, on le voyait plutôt dans les courses d'une semaine, c'était un des favoris. Et ensuite, sur les grands tours, c'était un peu un outsider. Un peu le coureur surprise que de temps en temps, pour les étapes ou pour un top 10, pointer le bout de son nez. La vraie surprise, c'est de le voir aussi fort sur les classiques. Et même plus fort qu'Alaphilippe, qui était alors que la course quasiment. Enfin, c'est des courses qui semblaient promises à Alaphilippe finalement, que ce soit. Oui. Un petit mot sur lui, peut-être justement. C'est une déception, c'est une surprise pour toi? Oui, non, justement, comparer les deux me paraît assez intéressant finalement. Parce que Alaphilippe, c'était peut-être le favori annoncé ou celui, surtout que nous Français, on attendait sur ces courses-là. Et on a vu finalement un duel, on peut même rajouter les Strade Bianche hein, dans le lot. Oui. On a vu tous les deux au duel. On les retrouve alors sur l'Amstel avec un final un peu particulier, mais ils étaient tous les deux devant d'abord. Et si tactiquement ils se foirent pas, ils se jouent la victoire.
Sur la flèche wallonne, au moment quand ils partent, souvenez-vous un peu, on se dit Alaphilippe va gagner facile, et finalement, Fuglsang, il revient très fort sur lui. Et finalement, pour la dernière des classiques, eh ben, Fuglsang est... enfin, ben, gagne assez facilement, au moins assez largement, alors qu'Alaphilippe, eh ben, derrière, il est à la peine, hein, et on ne le voit pas. Ouais. Alors, c'est peut-être ça, enfin, moi, le plus surprenant, c'est ça, c'est ce parcours-là, finalement, que Fuglsang, on hésitait finalement, presque toujours à le mettre favori. Moi, j'ai l'impression que pour Liège, tout le monde voyait Alaphilippe bon comme une maison, et ils se disaient, bah, Fuglsang, il fera podium juste derrière, comme sur les autres courses. La faute à sa pointe de vitesse, peut-être. Oui, Charles. Ouais, mais moi, je trouve que, enfin, dès la flèche, j'avais des gros doutes sur la capacité d'Alaphilippe à remporter Liège, parce que tu l'as dit, Greg, Fuglsang, il revient vraiment dans les derniers mètres, alors que c'est le terrain d'Alaphilippe. Enfin, l'explosivité, c'est pas du tout Fuglsang, et je trouvais ça assez inquiétant. Et une chose que je trouve assez intéressante à noter, c'est que les courbes de ces deux coureurs-là s'inversent, en fait. Si on prend les d'Estrade Bianche à Liège, Ostrade à Alaphilippe, il est largement au-dessus de Fuglsang. On le voit dans le mur final, il en fait ce qu'il en veut, mais il baisse petit à petit. On l'a vu à l'Amstel, il était cramé sur le sprint, il a eu du mal, sur la flèche, c'était compliqué aussi, puis la Liège. Et Fuglsang, on a l'impression que c'est l'inverse. En fait, il est parti plus bas, et à la fin, eh ben, les courbes se croisent, et il arrive beaucoup plus tôt qu'Alaphilippe, comme si le Fuglsang de Liège, en fait, c'était le Alaphilippe d'Estrade, quoi, physiquement. Oui. On peut imaginer qu'Alaphilippe, et on l'a déjà dit lors des missions précédentes, lorsqu'on avait noté ses performances, cette année avait peut-être un entraînement plus spécifique, on va dire, pour travailler sa pointe de vitesse et passer les petites côtes, les côtes courtes entre 500 et 1 km, pas plus. C'est-à-dire que plus dirigé, on va dire, pour l'objectif Milan-San Remo que pour l'objectif finalement des Ardennaises. C'est un peu ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais... Oui, Liège, ça paraît un peu difficile, peut-être pour Alaphilippe, en fait, hein, toute l'accumulation des côtes, surtout avec le nouveau parcours qui a rendu la course plus dure, avec les températures plus basses. C'était peut-être hors de portée pour Alaphilippe cette année, en fait. Et effectivement, il était fatigué, ça s'est vu. Donc... Finalement, moi, ça me rassure un peu sur Philippe, le fait qu'il est perdu aujourd'hui. Bon, voilà, il a des coups de moins bien, comme tous les coureurs normaux, on va dire. Et ouais. C'est plutôt rassurant, finalement, sur ses prestations précédentes, moi, je dirais. Très bien. Une autre chose, moi, que j'ai noté quand même dans cette course, c'est finalement qu'on change le parcours ou pas. Bon, après, ça reste quand même les Spassons Liège, hein. C'est juste la fin qui a été un peu changée. On a quand même tendance à retrouver un peu finalement les mêmes habitués. On avait évoqué lors de nos pronostics la présence d'éventuels second couteaux comme Woods ou Formolo. Ben voilà, ils étaient de nouveau là. On a aussi un Bardet, même on a vu Zakarine. Enfin, des coureurs qui ont l'air vraiment spécifiquement d'apprécier cette course. Alors, c'est dû à quoi, à votre avis? C'est à sa place dans le calendrier ou à ses spécificités même du parcours? Charles? Bah, je ne sais pas trop. Ce qu'on note, en tout cas, c'est qu'on voit apparaître, contrairement à quelques semaines, des coureurs de grand tour. On a vu Landa dans le top 10, on a vu Nibali, on a vu Woods... C'est le Giro qui arrive. Ouais, tu as cité Formolo qui a été aussi assez impressionnant. Et au final, c'est les mêmes mecs qu'on a vus au Mondiaux, quoi. On voit que quand les coureurs de grand tour sont en forme, ils sont aussi capables de performer sur ce genre de terrain. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Je voulais évoquer, parce que je vois que leur tourne aussi David Godu, qui n'était pas bien sur la flèche, et qu'on a retrouvé là à la fête, sixième, premier français. C'est plutôt une très belle performance, puisqu'il était dans le groupe pour la troisième place, qui se bat avec Charman, qui fait troisième. Donc plutôt pas mal, j'ai trouvé, pour David Godu, qui est le seul Français dans le top 15. Oui, on l'attendait un peu plus tôt, a priori, vu les performances qu'il avait réalisées déjà avant sur la Flèche Wallonne. C'était un de ses premiers grands résultats chez les pros. Il avait fait un top 10, je crois, septième à l'époque. Et on l'attendait plutôt sur la Flèche Wallonne que sur le Liège-Bastogne-Lèche. Personnellement, pour moi, c'est une petite surprise, du coup. Hein. On est parfois surpris avec ce coureur, j'ai l'impression. Après, pic de forme n'étant pas une science exacte, mais voilà, on a l'impression que certains coureurs sont plus difficiles à juger là-dessus. Et à contrario, tu vois, Romain Bardet, qu'on voyait bien après une Amstel rassurante, a été vraiment un peu en retrait et fini dans un groupe à 1:30, quoi.
Oui, en ayant pesé peut-être un peu moins que d'habitude, Alors que c'est en sa plus course, sur hein, c'est ce. sa classique, C'est normalement. celle qu'il apprécie. Oui. Bon, après, il y a eu d'autres petites contre-performances dont on pourrait parler. Justement, avant de clore le sujet sur les Bassins-Liège, mais voilà, hein, on a eu pas mal de coureurs de grands noms qui ont abandonné. Alors, c'est vrai que ça, le temps a joué, mais bon, on a l'impression aussi que le temps commence à jouer contre lui. Hein. Quelqu'un comme Valverde, maintenant 39 ans, il n'a pas fait des Ardennaises convaincantes. Est-ce que c'est faute à pas de chance à tous ces problèmes de santé, ou est-ce que c'est une accumulation de plein de petites choses selon vous, Mathieu? Non, mais il y a peut-être un changement de génération qui est en train de s'opérer. Hein. On l'a vu, pas seulement pour Valverde d'ailleurs, hein, pour d'autres Oui. aussi. Bon, alors, l'exception, c'est Fuglsang. Mais à part ça, on voit quand même une nouvelle génération émerger, aussi bien d'ailleurs sur les Ardennaises que sur les Flandriennes. Et cette nouvelle génération, elle est en train de pousser les petits vieux dehors, je dirais. Valverde, mais ça vaut aussi pour Van Avermaet, pour Sagan peut-être. Donc tous ces gens-là, ils ont paru quand même bien bien fatigués, on va dire, et ils ont eu beaucoup de mal à suivre tous les nouveaux petits jeunes qui poussent. Mais bon, finalement, c'est très bien, hein, le cyclisme se renouvelle. Mais Valverde, je suis pas sûr qu'on le reverra à un haut niveau. Il fera peut-être un coup de temps en temps, parce qu'il est toujours capable de faire un coup de temps en temps, mais je suis pas sûr qu'on le reverra gagner la Flèche et gagner Liège-Bastogne-Liège dans la foulée. Je A suis à peu près priori, il sûr. aurait Tokyo 2020 derrière la tête. Oui, Charles. Ouais, je rejoins complètement Mathieu. Tokyo 2020, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, pour moi, Valverde, il s'est maintenu ces dernières années parce que c'est un monstre au niveau de l'entraînement qui relâche jamais l'effort et qu'il est toujours pas au top de sa forme, mais qu'il est toujours en forme entre guillemets. Et l'hiver, il roule, il roule, il roule. Et je pense que après son titre de champion du monde, il a un peu relâché la pression. Et du coup, je pense pas qu'il soit capable à 39 ans de reconstruire sa forme. Et on voit que physiquement cette année c'est dur, quoi. On l'a vu à Valence, on l'a vu à Murcie, même autour de Catalogne. Normalement, il est largement au-dessus de la concurrence parce que les mecs sont pas à fond. Il termine 10e là sur les classiques. Ben, il n'a pas existé. Il va faire le Giro. Paradoxalement, c'est sur les courses où on l'attendait un peu moins qu'il a presque le mieux performé, puisqu'il a réussi Oui, son Tour des premier Flandres en top 10. top 10 et top 10 également sur Milan-Sanremo, ce qu'il n'avait jamais réalisé avant. Donc c'est comme si en fait, en quelque sorte, il avait envie voilà, de clore un chapitre et puis de se faire vraiment plaisir sur les courses qu'il n'a jamais eu peut-être l'occasion de viser avant. Et finalement, celle qu'il connaît, ben, il est peut-être aussi moins motivé, tout simplement. Mais on en a parlé aujourd'hui sur le site. Pour moi, il y a une question qui va se poser pour Alejandro Valverde. C'est est-ce qu'il va avoir envie de continuer? Parce qu'on sait que chez les grands champions comme lui, il y a deux types de comportements, quoi. Il y a ceux qui supportent pas de baisser, entre guillemets, physiquement et qui arrêtent avant de traîner leur misère trop longtemps. Et il y a ceux qui continuent. Et si Valverde traîne comme Comme ça, Rebelline. comme Rabelline, ouais, Oui. s'il Oui, est un petit. Un lâché peu, au on... Giro, si c'est dur sur le Tour ou la Vuelta, suivant ce qu'il fait, s'il n'est pas dans le coup aux Mondiaux, est-ce qu'il va se remotiver pour repartir en 2020 pour faire quoi? On ne sait pas, mais c'est une question qui se pose à mon avis, quoi. Oui, la petite remarque de Greg me fait penser qu'on peut passer effectivement un petit bonjour à David Rebelline qui a S'il nous écoute, annoncé. David. Davidé, s'il nous écoute, voilà. Puisqu'il a annoncé la fin de sa carrière après les championnats nationaux en Italie. Voilà, 47 ans, il me semble, ou 46, je ne sais plus. Enfin, voilà, 46. une sacrée carrière. Quand il a commencé, il courait avec Laurent Fignon. François Mitterrand était président. Voilà. Et pour finir la partie sur Rebelline, d'ailleurs, les amis de la Bordure ont sorti un documentaire là ces derniers jours que vous pouvez retrouver. On a eu la chance de le regarder et il est vraiment assez sympa. Oui, excellent. Tout à fait. Bien, alors, est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire sur ce Liège-Bastogne-Liège, ou on peut peut-être faire le tour rapidement du reste de l'actualité, globalement, et peut-être aussi faire aller un petit top de la semaine, ce qui nous permettra comme ça de couvrir l'ensemble des courses. Je sais que, Charles, toi, tu as préparé un petit papier pour le site pour demain. Donc, bah, je vais te laisser annoncer, voilà, les tops, ceux que nous, on a voulu un peu honorer à notre façon, grâce à leur performance. Ouais, comme toutes les semaines, on a réfléchi ensemble ce matin à nos tops et nos flops. Et il y a une équipe qu'on voulait récompenser, et je pense que ça te fera plaisir, Max. C'est la formation Androni qui a vraiment réalisé un très très beau Tour des Alpes et qui a ensuite enchaîné
avec un doublé aux Apennins et aussi une victoire au Tour de Bretagne. Donc je pense que ça t'a vraiment fait plaisir. Et demain, ouais, comme tu l'as dit, on les retrouvera dans l'étape 1. Oui, ils en sont déjà à leur 12e victoire cette saison. Honnêtement, je m'y attendais pas trop, qu'ils démarrent sur d'aussi bonnes bases, parce que bon, l'année dernière, déjà, ils avaient mis la barre très très haut avec 36 victoires, je crois. Mais ils avaient un effectif, je considérais un peu plus costaud, avec notamment la présence d'un Sosa, qui leur a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Cette année, ils sont pas spécialement renforcés, mais les autres ont répondu présent. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a 12 victoires avec 7 vainqueurs différents. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas forcément sur toujours les deux, trois mêmes bonhommes. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir la belle complicité entre Cataneo et Masnada, qui ont l'air vraiment de bien s'entendre, et voir l'un renvoyer la balle pour l'autre, c'était aussi assez sympa. Voilà. J'ai gagné le trop Broléon aussi. Et on avait Vandram également sur le Exact, trot j'avais Broléon, oublié, qui c'était est lundi. une victoire, en malin, mais une victoire qui C'est une compte, hein. victoire quand même. Tout à fait, une victoire D'ailleurs, importante pour Greg, lui. pour rester sur nos tops, on a aussi souligné un autre truc sur le Tour des Alpes, c'est notre duo du Team Sky qui a fait rouler enfin, Chris Froome pour lui. Voilà, c'est ça, les petits jeunes de Sky qui. Alors, Sivakov, finalement, là, si on peut se souvenir que l'année, là, enfin, c'est sa deuxième année chez Sky, l'année dernière avec Bernal, finalement, c'est deux coureurs très attendus. On a surtout vu Bernal jusqu'à présent. Ouais. Enfin, Certains avaient c'est été surtout. déçus déjà, hein, par les Voilà. performances de Sivakov et commençaient déjà à tirer des plans sur la comète. Hein. C'est ça, des deux, finalement, qui étaient les deux grands espoirs hein, du cyclisme mondial de cette génération-là. On voyait surtout Bernal, et là, enfin, je pense que ça fait plaisir à pas mal de monde voilà, de trouver Pavel Sivakov au premier plan, qui gagne une belle petite course, même si la start list n'était pas non plus exceptionnelle. Je pense que ça fait, voilà, c'est un succès, je pense, qui est important pour lui, et un hein, qui s'affirme au premier plan, enfin, et donc, alors qu'il faut se rappeler que enfin, chez les jeunes, il a quand même un palmarès assez impressionnant, hein, qui était l'égal et rivalisait avec Bernal à ce moment-là. Ouais, puis enfin après, on aime Froome ou pas, vous connaissez tous notre avis sur le sujet, mais je pense que quand on est un jeune coureur comme Pavel Sivakov, qu'on voit le quadruple vainqueur du Tour qui se met à la planche pour soi sur une course, enfin, ça doit être quand même assez impressionnant et je pense que Oui. ça donne envie de se surpasser dans la roue et de surtout pas péter, quoi. Enfin, C'est pas perdu pour Froome en plus. Hein. Je pense que Tao, Geoghegan Hart et Sivakov sauront lui rendre l'appareil quand il le demandera. Oui, parce qu'il y a eu aussi non seulement Sivakov, mais également le jeune anglais qui s'est mis à son avantage parce qu'on ne savait pas trop d'ailleurs lequel des deux était vraiment le leader avant que ça se décante quelque peu. D'ailleurs, vite fait, sur la performance des autres, notamment celle de Nibali, est-ce que c'est rassurant de le voir à ce niveau ou est-ce que c'est inquiétant de voir que les futurs larbins de Bernal sont au niveau de Nibali? Bah, vas-y, Mathieu, Allez, vas-y, pardon. Charles. Non, je pense que non, Nibali, il était plutôt pas mal, mais je pense qu'il était là pour se tester, hein. On l'a vu tenter pas mal d'attaques, mais il n'était pas encore à fond pour le Giro, mais il arrive près du top, donc je pense qu'il sera au top pour le départ du Giro. Non, moi, ça m'a pas trop inquiété, hein. J'ai pas mal regardé la course. Lui comme Froome se sont rassurés, selon toi? Oui, il paraît bien en forme, hein. Ouais, je pense aussi que les deux se sont rassurés. Mais Nibali, son problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'arrivée en altitude. Donc, du coup, il y avait des regroupements enfin, où les pentes n'étaient pas forcément toujours très raides. Mais je l'ai trouvé rassurant, moi. Ouais. Je ne m'attendais pas à le voir aussi haut, d'ailleurs, hein, pour être honnête, hein, sur une course de Oui. préparation. Il a surtout couru contre Machka, en fait. Et puis bon, il y a eu une étape où ils ont un peu laissé partir Sivakov et Geoghegan Hart. Donc du coup, voilà, les deux Sky, ils en ont profité d'avoir une petite latitude. Et puis voilà, Nibali, ensuite, il n'a pas pu. Le parcours était effectivement pas assez dur pour qu'il puisse Puis tu l'as les dit, lâcher. on... Aucune arrivée en montée cette année, c'est vrai que c'est assez rare. on a vu, tu l'as dit, Mathieu, on a vu quand même que Nibali, il était là pour faire des efforts, quoi. Enfin, il a attaqué, il s'est testé. Enfin, je pense qu'il s'est vraiment rassuré. Enfin, je sais pas si Max, tu seras d'accord, mais je pense qu'il s'est quand même pas mal rassuré sur cette Oui, course-là, quoi. bah, il est arrivé sur Liège en disant qu'il avait très bonne sensation. Ensuite, il avait quand même des ambitions sur Liège, mais il se pensait quand même un peu juste parce que le Tour du Trentin, il est arrivé avec que des étapes de 150 km maximum. Donc, il savait qu'il pouvait peut-être lui manquer un petit quelque chose pour la fin. Je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué, effectivement, aussi. Il envoie plutôt de bons signaux, on peut dire. Tout comme Landa, d'ailleurs, qu'on a vu aussi sur Ouais, rassurant, Liège-Bastogne-Liège Landa aussi. faire un top 10.
La Movistar sans Valverde, c'est pas si mal débrouillé, puisqu'on pourrait aussi noter la belle place de Carlos Betancourt, qui a fini devant Alaphilippe sur l'Aigle-Bastonnais. Je pense pas que beaucoup de suiveurs auraient imaginé cela avant la course. Oui, il paraissait relativement affûté, hein, Betancourt. Enfin, il paraissait tout à fait physiquement. Il avait un Balenito plutôt affûté, en effet. Il est en fin de contrat cette année, en plus, donc à mon avis. Il nous reste plus que quelques minutes avant la fin de l'émission. Le temps d'aborder peut-être l'actualité à venir qui, pour moi, réside surtout avec le Tour de Romandie. Hein, là, on a le Tour de Romandie qui va commencer demain. 6 étapes jusqu'au 5 mai. C'est une course qui a une place un peu particulière dans le calendrier, qui il y a longtemps servait surtout de préparation pour le Giro. Puis, ces dernières années, ce sont surtout les futurs vainqueurs du Tour de France qui s'y sont distingués. On a un parcours en général traditionnellement dévolu qui favorise les coureurs de Grand Tour avec pas mal de contre-la-montre. Cette année, on reste dans la tradition. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu moins de grands noms que ces derniers temps. À part Roglic, qui lui-même d'ailleurs a dit venir sans trop d'ambition, on peut retrouver Krejcik, le vainqueur du dernier Tour de France, Thomas. Voilà, alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends de cette course, Charles ? Moi, je veux surtout voir le niveau de Geraint Thomas, parce qu'autant en début d'année, on pouvait voir quelques signaux, mais on était encore très loin du Tour. Mais là, début mai, on va être à 2 mois du départ, et si Thomas est lâché, ça ne sentira pas bon pour la grande boucle, je pense. Enfin, c'est vraiment ça que je vais scruter cette semaine, plus que Roglic, parce que comme tu l'as dit, Roglic, même si c'est un parcours pour lui... Je crois qu'il ne va pas du tout viser le général et pas prendre de risque à 2 semaines du départ du Giro. Alors, je viens de vérifier là pour Thomas, il en est juste à 16 jours de course. Hein. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup vu. Il a fait une petite placette sur l'Estrade Bianche, mais bon, pour l'instant, rien de notable. Tu penses que c'est la course où justement on devrait le voir plus en évidence, Mathieu ? C'est un peu mystérieux au niveau de Thomas, effectivement. Bon, oui, sur l'Estrade, il n'était pas si mal quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, moi, je pense que Roglic, il va avoir du mal à ne pas gagner la course quand même. Hein, parce que même si apparemment, il a des consignes pour ne pas la gagner, avec les deux chronos, bon, même s'ils sont assez courts, pas vraiment de grosses montagnes. Je ne vois pas trop comment Roglic pourrait être battu, à moins que vraiment il lâche dans une étape volontairement. S'il est au niveau pour le Giro qui commence dans 2 semaines, ça ne va pas lui coûter beaucoup d'efforts de gagner, à mon avis. Oui, justement, je voulais te demander, Greg, oui, parce qu'il n'y a finalement qu'une seule étape de montagne, et encore, elle est assez roulante, ce n'est pas une étape qui risque de faire beaucoup, beaucoup de différence. C'est surtout le contre-la-montre qui a marqué. Bon, après, on a peut-être une petite chance aussi de voir des baroudeurs tenter quelque chose pour un bon classement général. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, comme mes collègues, je pense que, Roglic, même s'il dit, ils annoncent que surtout il ne joue pas le général. Oui. Forcément, vu son caractère, à mon avis, il va pas se gêner. On n'a pas l'habitude de le voir faire des courses en dedans, en plus. Hein. Voilà, c'est plus le côté. Par contre, oui, Geraint Thomas, c'est possible qu'il fasse juste quelques étapes à fond pour se tester. C'est plus la méthode Sky, de se cacher jusqu'au dernier moment, plutôt que dans le caractère de Roglic. Mais je suis assez d'accord. Après, la curiosité, c'est de savoir est-ce que les gros rouleurs avec un prologue et un contre-la-montre pourront jouer les top 10. Ça aussi, ça sera peut-être à surveiller aussi. Et c'est vrai que la start list est peut-être un petit peu décevante. Il manque un ou deux grands coureurs qui mettraient un peu de piment. Zakarin, qui n'est plus que l'ombre du Zakarin d'il y a 4 ou 5 ans, qui avait marché sur tout le monde. Donc, c'est en 2014. Oui. Il me semble, il y a quelques années, donc, où il avait, ou 2015. 2015, il me semble. C'est 2015, alors oui. Il était largement au-dessus des autres. Mais sinon, c'est vrai que peut-être un petit peu décevante. Mais à suivre, voilà, les Thomas, les Roglic, la Bora aussi, qui est à suivre aussi, puisque visible sur les courses d'une semaine, ils sont très performants. Oui, ils viennent avec Burkman, donc c'est quand même un des spécialistes des courses d'une semaine. Je pense que, sans trop se tromper, on peut le mettre dans le top 10, voire le top 5. Hein.
Ça va être intéressant de voir Remco Evenepoel aussi. Il sort d'un bon tour de Turquie. Là, la concurrence va être un peu plus élevée. À voir s'il Oui. arrive à accrocher un fond de top 10 ou pas et à enchaîner comme. Oui, voilà, on suivra les performances de quelques jeunes comme Guillaume Martin ça. aussi côté français, même si avec les chronos, ça peut quand même compliquer la tâche. Mais... Oui, on sait que ce n'est pas son point fort, loin de là. Oui, bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, parce qu'on reviendra sur le déroulé de cette course de toute façon la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez vous risquer un petit jeu de pronostic ou de toute façon pour vous la messe est dite et ce sera Roglic quoi qu'il arrive? Parce que c'est vrai que c'est difficile de finalement d'oser proposer quelqu'un d'autre à ce stade où en plus on a reçu la liste de participants quand même la veille seulement. C'est quand même de pire en pire à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre pouvoir en fait concurrencer le Croate finalement, Mathieu? Allez, vraiment un outsider, Martinez, Daniel Felipe Martinez. Il est pas mauvais en chrono. Et les Education First marchent bien. Donc pourquoi pas Daniel Felipe Martinez pour faire une place sur le podium, pourquoi pas. Ah, sur le podium, ouais, mais c'est déjà une bonne cote. Ouais, moi je vais dire Bourman, allez pour changer, un outsider. C'est vrai que la Bora marche bien aussi. Moi, je pense que le concurrent principal pour Roglic, ça devrait être Steven Kruijswijk, qui s'est montré déjà plutôt à l'aise en début de saison, alors que habituellement, ce n'est pas son point fort. Donc, j'ai l'impression qu'il a bien préparé son affaire cette année. En tout cas, pour l'ensemble de la saison. On verra pour cette course. Très bien. Bah, écoutez, je pense que là, on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en tout cas très très bientôt. N'hésitez pas à laisser pouce bleu et commentaire si l'émission vous a plu. D'ici là, vous prenez tous très bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.